Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. والصلاة. والصلاة. والسلام. والسلام. على رسول الله. اللهم. افتح لي. أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. J'ai demandé à ce que toutes les affaires soient rangées. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alors aujourd'hui, nous racontons la cinquième histoire des animaux dans le Coran. Les animaux dans le Coran. Et aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de la fourmi, de la namla. Répétez, namla. 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 La fourmi est l'histoire du prophète Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam. Avant de parler du prophète Sulaiman alayhi salam, sachez, chers enfants, chers musulmans, chères musulmanes, chers serviteurs d'Allah, nous allons parler de cet insecte qui est la fourmi. Est-ce que c'est grand une fourmi ? Non. Est-ce que c'est grand une fourmi ? Est-ce que c'est fort une fourmi? Non. Est-ce qu'elle a des forces? Non. Comme un cheval, comme c'est un lion. Force, comme un lion. Comme un lion. Comme un cheval. Comme un éléphant. C'est tout petit une fourmi. Mais. Mais est-ce que c'est intelligent une fourmi? Oui. Une fourmi, c'est très. Très intelligent. Qui a créé les fourmis? Allah Azza wa Jal. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a donné à la fourmi une intelligence. Et sachez que lorsque vous voyez plein de fourmis en train de marcher, chaque fourmi, elle a un rôle bien précis. Chaque fourmi, elle a un travail à accomplir. Certaines fourmis, elles ont comme travail d'aller chercher des nourritures à l'extérieur, de sortir de leur maison, de sortir de leur fourminière pour aller trouver à manger pour tout le reste. D'autres fourmis, elles ont un autre travail. Elles doivent garder et protéger les petits œufs où il y a les tout petits bébés fourmis dedans. Comment ils vont faire pour protéger? Ils ne peuvent pas protéger. En fait, les œufs, ils les font dans leur fourminière, dans un petit trou caché où que nous, on ne pourrons pas les écraser. Bah oui, parce qu'on n'est pas hyper petits.
Bah, pour les autres animaux, pour plusieurs choses. Donc la fourmi, sachez qu'elle travaille jour et nuit. Et la fourmi, elle n'est pas paresseuse. Vous savez c'est quoi paresseux? Voilà. Des fois, quand vous revenez de l'école, vous n'avez pas trop envie de faire vos devoirs. Vous êtes paresseux et paresseuse. Eh bien, pensez à la fourmi. La fourmi, elle n'est pas paresseuse. La fourmi, elle fait toujours ce qu'on lui demande et elle fait toujours son travail. Et les fourmis, entre elles, elles sont comme des sœurs. Elles se protègent. Elles s'aident. Elles partagent. Elles ne sont pas égoïstes. Égoïste ou avare, ça veut dire que tu veux tout garder pour toi. Vous avez vu tout à l'heure, Mouna, elle a distribué son goûter avec toute la classe. Ça prouve que Mouna, elle n'est pas égoïste, elle n'est pas avare, mais elle est généreuse. On dit « Masha'Allah, la quwata illa billah ». Donc Mouna, t'es une petite fourmi. D'accord les enfants? Les fourmis, elles partagent, elles cèdent, elles se protègent les uns les autres. Même si elles ont une reine. Sachez que les fourmis, c'est comme les abeilles. Il y a des ouvrières, celles qui travaillent, et il y a une reine qui commande et qui... Et la reine des fours? Vous avez vu? C'est pas des ailes, c'est des graines. Elle porte des graines. La reine, non, c'est une fleur qui est derrière. C'est pas des ailes. D'accord? Et on a dit que la fourmi était très intelligente. Un exemple, la fourmi, quand il fait chaud, eh ben elle va dehors, elle prend à manger et elle le cache. Parce que quand il fait froid, est-ce que la fourmi, quand il pleut, quand il neige, quand il y a plein de neige, est-ce qu'elle peut marcher dehors? Non. Non. Elle doit se cacher, elle doit hiberner, elle doit rester. Et elle sait... Comment garder la nourriture? Un exemple, lorsque la fourmi prend une graine, vous savez c'est quoi une graine? Oui. La fourmi, elle va prendre cette graine, mais elle va pas la manger tout de suite. Elle va la cacher sous la terre, comme ça le jour où il fait froid, eh ben, elle pourra ressortir ses graines. Mais enfin, une graine, si on la cache sous la terre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pousser très très bien, Inaya. Très très bien, Najma. Donc vous savez ce qu'elle fait la fourmi? Elle prend la graine et elle la casse en deux. Comme ça, si elle casse la graine en deux, eh ben elle ne va plus pou. Elle ne va plus pou. Elle ne va plus pou. D'accord les enfants? Elle la casse en deux, comme ça elle peut la cacher. La graine, elle ne va pas pousser pendant l'hiver. Et ensuite, elle pourra la manger quand elle en aura besoin. T'as compris, monsieur Abdelrahman? Et dans le Coran, ah oui, elle sait que la graine, elle va pousser. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a parlé des fourmis. Et il y a même une sourate qui s'appelle Sourate les fourmis. C'est la sourate numéro 27. Quand vous êtes à la maison, vous demandez à votre papa et à votre maman de vous faire écouter la sourate les fourmis. Et Allah Azza wa Jal, dans cette sourate, il nous parle de cette histoire. Il y a bien longtemps, il y a très longtemps,
Tasnim, Faïz et Najma, Taleb, Ahmed. On écoute l'histoire. Il y a très longtemps, Allah, Tabaraka wa Ta'ala, a envoyé un prophète. Et ce prophète était un roi. Et il s'appelait Daoud. Répétez, Daoud. 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 Alayhi salam. Alayhi salam. Et le prophète Daoud, il avait un enfant. Et cet enfant, Allah tabaraka wa ta'ala l'a choisi pour lui aussi être prophète. Et lui aussi être roi. Il s'appelait Sulaiman. 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 Alayhi salam. Donc comment s'appelait le fils de Daoud? Sulaiman. Et comment s'appelait le papa de Sulaiman? Daoud. Et est-ce que vous pouvez me citer deux prophètes qui étaient aussi des rois? Ah, je sais. Réfléchissez. Oui, Mariam ou Ma'allal. Younous, il n'était pas roi. Salma? Issa, il n'était pas roi. C'était un prophète, mais il n'était pas roi. Réfléchissez. Inès? Qui? Chut, on rigole pas. J'ai pas entendu. Un lion? Un lion? Est-ce qu'un prophète, c'était un lion? Non. Inès, réfléchis à ce que j'ai dit. Amin? Amin? Kaoul? Alors, est-ce que Allah, c'est un prophète? Non. Un prophète, c'est un homme, un être humain comme nous. Et Allah, il a choisi pour dire le message. D'accord, Amin Kaoul? Allah, c'est pas un homme. Allah, c'est le Dieu. D'accord, Amin? Nejma? Moussa, alayhi salam, c'est un prophète, mais il n'était pas roi. Mohamed, alayhi salam, c'est un prophète, mais il n'était pas roi. Les enfants, réfléchissez. Oui, Amin? Daoud et Suleiman. Bah oui, Daoud et Suleiman, on vient de le dire. Daoud, il était un prophète et un roi. Suleiman, il était un prophète et un roi. Donc, qui peut me dire deux prophètes qui étaient prophètes et rois en même temps? Oui, mademoiselle Nawel Trad. Oui, Suleiman, qui en connaît un deuxième? Qui connaît un deuxième prophète qui était aussi un roi? Oui, Kaïna. Daoud. C'est très très bien. D'accord les enfants? Vous avez compris ou pas? Et Allah Azza wa Jal, il a donné au prophète Suleiman alayhi salam plusieurs choses qu'il n'a donné à aucun prophète avant lui et qu'il ne donnera à aucun prophète après lui. Et notamment le prophète Suleiman alayhi salam, il avait une armée, une très très grande armée. Et dans son armée, il y avait des êtres humains. Et il y avait aussi des djinns. C'est des créatures invisibles que nous, on ne les voit pas. Et également, il avait le rih. C'est quoi le rih? Oui, Mariam. Le vent. Le prophète Suleiman alayhi salam, il pouvait commander le vent. Lorsqu'il voulait aller quelque part, il disait au vent, ramène-moi quelque part, ramène-moi là. Car le vent, sachez que le vent, c'est une créature d'Allah. Et le vent, il obéit à Allah. Et le vent, on ne doit jamais insulter le vent. On ne doit jamais maudire le vent. Parce que le vent s'y souffle, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal, il lui a ordonné de souffler. Et vous savez que le vent,
il a peur d'Allah. Tous les vendredis, le vent, il a peur. Parce qu'il sait que la fin du monde sera un vendredi. Le vent, la terre, le ciel, la mer, les montagnes, elles savent qu'Allah Azza wa Jal va faire sonner l'heure le vendredi. Donc est-ce que vous aimez le vent? Est-ce que vous aimez le vent? Et Suleyman alayhi salam, il commandait le vent. Également Suleyman alayhi salam, il comprenait le langage des animaux. Lorsqu'un cheval passait, le prophète Suleyman alayhi salam, il savait qu'est-ce que le cheval disait. Qui sait faire le cheval? Vas-y, on t'écoute, Inaya. Oh, c'est un petit cheval tout rose. Lorsqu'un oiseau volait, Suleyman alayhi salam, il le comprenait. Inaya, tu sais faire l'oiseau? Vas-y, on t'écoute. Plus fort. C'est bien, Elias du Mortier, c'est un bel oiseau. Lorsque une vache passait. Oui, on t'écoute. Oh, quelle belle vache. Lorsque des petites fourmis marchaient, il comprenait. Qui peut faire la fourmi? Oui, Abdelrahman. Comment t'as fait? Lorsque un taureau passé. Qui sait faire le taureau? Oui, Selma. Ouais, pas mal. Tu fais peur hein, quand tu fais le taureau. Lorsqu'un serpent passait. Qui sait faire le serpent? Najma. Inaya. Ambrine. Très, très bien. Et un jour, le prophète Suleyman marchait avec son art, et il marchait très très vite, et là, il y avait des petites fourmis, regardez ici, des petites fourmis. Il y avait des petites et la reine des fourmis, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a crié, mes sœurs, allez vous cacher avant que Suleyman et son armée ne vous écrasent sans le faire exprès. Et les fourmis, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont abandonné le travail et elles sont parties se cacher. Allez, cachez-vous les petites fourmis. Cachez-vous en dessous de la table. Allez, tout le monde en dessous de la table. Vite. Cache-toi. Vas-y, fais l'aigle, écrase-les. Et là, Suleyman. C'est bon, Elias, tu peux t'arrêter. Et là, Suleyman, alayhi salam, lorsqu'il a vu. Lorsqu'il a vu qu'elles sont parties se cacher, il a dit à la fourmi, en souriant, il lui a dit, petite fourmi, je suis un prophète. Ne sais-tu pas que je suis le prophète Suleyman? Ne sais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal m'a envoyé pour faire le bien? Sache que je n'ai jamais fait de mal à la créature d'Allah. Qu'est-ce qu'elle a dit la fourmi? Elle a dit, oui, je sais. Il lui a dit, ben alors, pourquoi tu as dit à toutes les autres fourmis de se cacher? Et elle a dit, la fourmi, tu es passé dans notre royaume. Nous vivons ici. Nous travaillons ici. Et nous adorons Allah ici. Car les fourmis, elles adorent Allah. Les fourmis, elles adorent Allah. Les lions, ils adorent Allah. Les serpents, ils adorent Allah.
Les oiseaux, ils adorent Allah. Tous les animaux, ils adorent Allah. Les plantes, ils adorent Allah. Toutes les créatures. Le ciel, il adore Allah. La terre, elle adore Allah. La mer, elle adore Allah. Et nous, nous adorons Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et là, on écoute, Mariam. Et là, la fourmi, elle a dit, c'est ici que nous habitons, c'est ici que nous vivons, que nous travaillons, c'est ici que nous adorons Allah. Et comme nous sommes toutes petites, peut-être que tu ne nous aurais pas vues. C'est pourquoi j'ai averti à mes sœurs d'aller se cacher. Et les petites fourmis, elles doivent encore se cacher, continuez à vous cacher. Et là, qu'est-ce qu'il leur a dit Suleyman alayhi salam? Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, nous n'allons vous faire aucun mal. Et là, ça, la sœur, elle a dit à toutes les fourmis de revenir. Vous pouvez revenir les petites fourmis. Le prophète Suleyman alayhi salam, il lui a promis qu'aucun mal ne le sera fait. C'est un monsieur. C'est qui lui? Ah, t'as 7 euros. Car la fourmi est là. Regardez les enfants. On voit à quel point le prophète Suleyman alayhi salam, lui qui était un prophète, lui qui était un roi, lui qui était riche, lui qui était fort, lui qui était puissant, eh ben, il s'est arrêté et il a parlé avec une toute petite fourmi parce qu'il n'était pas orgueilleux. Même nous, on parle avec tout le monde. Nous, on ne dit pas, oh, c'est un enfant, je ne parle pas avec lui. Oh, il est plus petit que moi, je ne m'occupe pas de lui. Non, nous les musulmans, on s'occupe de tout le monde. On s'occupe des enfants, on s'occupe des plus grands et on s'occupe des personnes âgées. Mais c'est pas une fourmi, ça. C'est un bébé. Et la fourmi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à Suleyman, elle a fait des du'as pour Suleyman et elle a dit, tu es un bienfait pour cette terre, tu es généreux. Tu es droit, sache que le royaume des fourmis te suivra et on priera pour toi. Et Suleyman alayhi salam, il a pu prendre la route, il a pu s'en aller avec toutes les autres fourmis, avec toute son armée. Et Suleyman, il a souri et il a remercié Allah azza wa jal pour lui avoir donné ce pouvoir. De pouvoir comprendre les oies et les années et les fourmis. Ils ont regardé le prophète Suleyman alayhi salam partir et ils ont fait des du'as pour Suleyman alayhi salam. D'accord les enfants? Vous êtes contents? Donc alhamdoulilah, on a raconté les 5 histoires. La première histoire, c'était le corbeau avec les enfants de Adam. Ensuite la chamelle avec le prophète Saleh. Ensuite le loup avec le prophète Youssouf. La vache avec le prophète Moussa. Et la fourmi avec le prophète Suleyman. Donc on retient 5 prophètes: Adam, Saleh, Youssouf, Moussa, Suleyman. Adam, Saleh, Youssouf, Moussa, Suleyman, alayhimussalam. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on racontera une nouvelle histoire. Et la semaine prochaine, il faut que tout le monde connaisse ces 5 prophètes. C'est ça.